Les crypto-monnaies privées ne sont pas les bienvenues en Europe tant que les risques afférents à ces devises ne sont pas clairement évalués. Les ministres européens sont tombés d'accord et rejettent les monnaies virtuelles privées. Le communiqué commun publié ce jeudi concerne la Libra de Facebook et le JPM Coin de la banque américaine JP Morgan. Le vice-président de la Commission européenne plaide pour une régulation globale. Un certain nombre d'États membres, comme la France, l'Allemagne et Malte, ont introduit des lois nationales sur les biens cryptés. Et la plupart des gens sont d'accord avec l'avis des autorités européennes de surveillance selon lequel ces marchés dépassent les frontières et que nous avons besoin d'un cadre européen. De son côté, la Banque de France va expérimenter en 2020 une monnaie digitale de banque centrale qui servira à faciliter les échanges dont le montant est très élevé. Selon le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, l'objectif est de développer un euro digital. Le projet permettrait par ailleurs, selon lui, d'affirmer la souveraineté européenne face aux initiatives privées du type Libra. Facebook avait annoncé en juin dernier son intention de lancer sa propre crypto-monnaie, mais fait face aux réticences des autorités américaines et rencontre des difficultés à convaincre ses partenaires de l'accompagner.